Ok, bonsoir à tous, c'est Nours, on se retrouve pour la suite de la campagne de Legacy of the Void en mode brutal. Mission plutôt costaud, je vous l'annonce direct. Il s'agit de la mission, je ne sais plus le nom. Technologie interdite en français. Plutôt costaud, en gros, concrètement, vous devez arriver à ce point-là avant 20 minutes 30. À 20 minutes 30, le rayon aura Le rayon de pété la distorsion base. progresse. Nous devons atteindre le cœur avant qu'il ne soit Enfin, détruit. voilà votre but, le cœur. Et c'est vraiment super super chaud. N'hésitez pas à sauvegarder et à essayer d'aller vite. N'hésitez pas à faire des immortels et surtout n'hésitez pas à utiliser la frappe orbitale. C'est la quatrième fois que je recommence cette mission. Et voilà, tout simplement. Ouais, c'est vraiment assez. Elle est vraiment costaud quand même. D'importantes troupes Tal'Darim Vous qui sont aurez des à fond dans sentries pour vous aider, proximité mais de notre qui ne font nexus. pas de force field, Préparons-nous à un donc assaut imminent. sentries un peu Attendez. useless quoi. Ces sentinelles ont été laissées sur place. Laissez-moi les réactiver. Elles excellent dans la restauration des boucliers des guerriers à proximité. Au début, il faut prendre un peu son temps, hein. Faut pas sortir avec n'importe quoi, ça sert à rien. Calibrer nos portails pour qu'ils puissent en transférer de Et nouvelles. là, il va falloir du gaz. Donc, n'hésitez pas à construire assez rapidement un deuxième extracteur de manière à pouvoir faire votre robot pour produire des immortels. Et aussi, bien sûr, rechercher des upgrades. Ça va être important. Ce que je ne vous l'ai pas montré là, mais dès le début, les ennemis en fait sont à 1-1-1. Alors que vous êtes 0-0 et eux par contre ne lésinent pas sur les upgrades, hein, ça fait vite passer 2-2, etc. Donc c'est important que vous aussi vous puissiez upgrade vos unités. Alors je vous le dis tout de suite, les hauts faits parallèles sont quasiment infaisables en brutal, il n'y en a qu'un seul qui est faisable, c'est le fait de ne pas se faire niquer par le rayon. Les autres à mon avis c'est même pas la peine d'y penser. Enfin je dis ça mais bon. Déjà pour réussir à finir en brutal, parce que là je vous enfilez, hein, je n'ai pas encore fini. C'est juste joli, c'est la quatrième fois. Donc, Alors, sachant que les sentries rechargent les boucliers, je vous conseille d'améliorer les boucliers en premier. Ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Et voilà, c'est plus logique, on va le dire. On va pas tarder d'y aller, ne vous en faites pas. Vous allez subir aussi certainement des assauts. Vous allez voir, il y a des timings un peu particuliers. Voilà. Ici par exemple. Donc en gros, 4 minutes. Là, vous pouvez aller chercher du minéral ici si vous voulez pour on va dire pas trop grand chose de méchant à tuer. Il y a 6, il y a 8. Autant faire des centres. Je vais être tranquille. Mais pas trop, de toute façon après il y aura des unités aériennes aussi. Donc vous ne pouvez pas passer ici comme vous n'avez pas détruit le pylône qui est derrière. Vous acharnez pas, ça ne sert à rien. Et je vous conseille moi d'envoyer une petite probe.
pour faire des pylônes le long du chemin pour gagner du temps. Stockait aussi de la solarite pure dans cette station. Si possible, nous devrions essayer de nous en emparer. Un champ de force a gagné. Nous devons détruire sa source d'énergie pour dégager le passage. Plus de gates. Nous avons découvert d'autres sentinelles. Les actifs sur le champ. Il faudra péter les guêtres qui sont ici. Faut reprendre un peu avant. On a l'attaque du ciel, c'est parfait. Toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Voilà. Donc là, oui, vous pouvez aller chercher ça, mais il y a du monde, forcément. Donc au pire, vous faites ça, hop, et vous vous baquez. Ah, vous lui baquez la gueule quand même. Tellement violent, on l'a acheté qu'on ne va pas prendre de risques.
vérifier si vous pouvez utiliser les rayons pour que les autres viennent dedans. Voilà. Qu'il se fasse buter. Y'a pas un truc là? Non, ok. Alors là, vous voyez, on va se faire attaquer. Il faut revenir défendre absolument. Sinon, ça va vous péter votre base. Des sentinelles en stase. Putain, là je pense que j'aurai jamais assez en fait. Il me manque trop, il me manque trop. Défendre en plus. Je sais pas. Je pense que ça ne passera pas. Les anciennes défenses du complexe pour les retourner contre nous. Putain, ils sont loin, un truc. Ah, j'ai plus rien qui tape en l'air. Ouais putain, ça va pas le faire. Est-ce que si je recharge là et que je fais moins de la merde? Chaud dans cette mission, vous avez prévenu.
Marine. De nombreux vaisseaux de transport font cap vers le complexe. Des prismes de transfert. Astucieux. Alarak réactive les anciennes défenses du complexe pour les retourner contre nous. Ben, c'est pas venu ma probe là. Ouais, on trace sa mère, on trace. Non. Shooterai, putain. Ça veut pas, hein. Ça veut pas, on va essayer de charger celle d'avant. Oulé, ok. Peut-être, allez, technologie interdite. À 1h17, comme ça je vais ramener une probe. Peut-être gagner quelques secondes. C'est chaud. Je suis pas loin, je sais. Ah oh bah si, attends, j'en suis loin en fait là. On va recommencer de là, là, sans déconner. Notre force approche du rayon de distorsion. Nous devons rester vigilants et garder nos distances. Ouais, c'est là où il arrive. L'ennemi approche. Ok. C'est long aussi.
Ah, je pense qu'on peut save là. Libération des sentinelles en stase. Au sein de la flotte interdite. De nombreux vaisseaux de transport font cap vers le complexe. Des prismes de transfert. Astucieux. Alarak réactive les anciennes défenses du complexe pour les retourner contre nous. Ça va être chaud. Yes. Comment ça? Ah bah voilà. Ah bah on va dire au bout de 4 fois et demi, enfin on arrive à la finir. What the fuck? L'examiner de plus près. Allez, va examiner mon petit, va examiner. Donc du coup, je sais même pas si on a fait le fait, si on a fait le fait du rayon. Donc vous voyez, l'autre par contre, c'est détruire 6 portails ou portes de transfert Taldarim dans la mission technologie interdite en mode normal. Donc en gros, il faut attaquer les bases qui sont sur les côtés que je ne suis pas allé voir. Franchement, j'aimerais bien savoir si c'est faisable ou pas en brutal, à mon avis. Ça ne l'est pas, ou sinon je sais pas comment il faut faire. Merci en tout cas d'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour la prochaine mission. N'hésitez pas à me follow si c'est pas encore fait sur Facebook, sur Twitter et sur Twitch. Et si jamais vous avez des questions, vous avez aussi l'adresse mail, donc tout en bas de la vidéo et aussi tout dans la description. Bisous, à bientôt, ciao, c'était Morceau Micro.